Hello and welcome once again to these conversations with French filmmakers. My name is Richard Pena. I'm a professor of film and media studies at Columbia University and I have the great pleasure and honor to be part of the series. And I'm especially happy to have the chance to speak today to a director who I've known for many years and have admired his work. Hello, Guillaume Neclou. Hey, bonjour, Richard. Bonjour. bonjour. C'est un ici avec you. Mais merci de, de so we'll be talking about his career and uh, having a chance to go over some of his ideas about film and also of course his history um, i'd like to start with just talking about as i was doing research i C'était uh, um, un petit peu une, une obligation pour moi d'aborder le cinéma par le théâtre parce que j'ai quitté l'école assez tôt mm -hmm. et um, je n'avais pas la, la fibre et la vocation ni d'être assistant ni de, de rester dans un cadre scolaire. Donc, j'ai préféré essayer d'apprendre seul, enfin seul, en dehors de ce circuit euh, d'apprentissage traditionnel. Et, de, de, et il me semblait que pour euh, aborder le cinéma, euh, commencer euh, dans l'univers du, du théâtre allait me familiariser avec à la fois l'écriture scénique, avec la mise en scène, avec le, le jeu d'acteur, et puis l'appropriation d'un espace. Donc, euh, ça coûtait beaucoup moins cher finalement de. De créer une compagnie et de, de commencer à, à travailler un, un texte et puis de d'évaluer comment les gens pouvaient bouger dans un cadre qui est celui d'une mm -hmm. scène de théâtre. Mm -hmm. Donc c'est pour cette raison-là en fait, ce n'était pas du tout une vocation théâtrale, c'était pour moi une façon de, de démarrer mon apprentissage euh, pour, la, pour une approche scénique globale. Literature influence euh, oui, c'était un, un des centres d'intérêt euh, mmh. à, à l'adolescence et puis euh, quand j'étais jeune adulte de, de m'intéresser à la fois euh, au, enfin, à l'univers du surréalisme mais aussi du film noir et aussi du, du théâtre. Mmh. Donc ça a toujours été un, un alibi d'exploiter, de, d'essayer de, de traiter le film de genre en, en incluant à l'intérieur des zones, des, mmh. une périphérique. Euh, plus intimiste et plus personnel mmh. mais c'était un alibi en fait euh, mmh. très très clairement même les trois films que ce soit euh, une affaire privée la clé et, mmh. euh, et cette femme là mmh. c'est une exploration comme ça un peu maquillée mmh. on va dire avec un, un emballage de film noir mais où j'essaie de traiter des choses plus personnelles à l'intérieur mmh. No, I was going to ask you about those three films because for me they represent a kind of almost examination, meditation on the figure of the detective, of the of the policeman. And I wonder if you could talk a little bit about what you saw as being maybe the development of that meditation. Mais le la figure emblématique du du détective américain, évidemment, une -hmm. résonance très différente si on l'adapte en France, mais. Un, un personnage comme celui de um, Donald Sutherland dans Clute, par exemple, qui est très représentatif de ce que, le, à la fois, le jeu underplay euh, pour un Américain, mm -hmm. et puis la, une ligne très claire de récit, euh, avec surtout un, une méthodologie très euh, comportementaliste et pas psychologique mm -hmm. en fait, des personnages, ce, où ce sont les personnages qui font avancer l'histoire et non mm -hmm. pas l'histoire qui dicte comme ça les, les, les réactions et, mm -hmm. et les comportements. C'est sans doute cette... Euh, cette approche-là qui m'intéressait, d'avoir une figure, euh, on va dire entre guillemets, de, de héros, mais sans statut vraiment social, sans reconnaissance, euh, parce qu'un détective, est finalement, un enquêteur privé, euh, n'existe pas. Il n'a pas de statut légal, en fait. Euh, C'est ni un policier, ni, ni rien. Il est là pour trouver des éléments en essayant de tricher avec euh, son statut, la réalité. Et, et souvent, il prend, il usurpe une identité, il se cache. Il y a quelque chose d'assez intrigant dans cette figure. Évidemment, le personnage emballé dans, dans, dans un costume américain mm -hmm. prend une valeur beaucoup plus forte euh, que si on le traite de façon. Euh, mm -hmm. dans, dans, un, dans un souci de réalisme français. C'est souvent ce qui est un peu problématique. Mm -hmm. À la même time, vous avez aussi fait un autre film, le film que j'ai your découvert avec vous, qui était Le Poulpe. Et pouvez-vous parler un peu de la création de ce personnage, en travaillant surtout uh, avec Jean-Pierre Daroussin um, Là, c'est un statut particulier, en effet, parce que c'est également un, un détective, mais qui a une, une, une problématique existentielle qui est très influencée par le par un principe anarchiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est contre beaucoup de choses, ouais. et qui se bat pour des valeurs euh, éthiques, enfin, pour une, une forme de morale hein, intellectuelle et humaniste, mais traité sous un angle très décalé, avec, un, avec beaucoup d'ironie, un peu de comédie, mêlée à de la violence. C'est peut-être ce, euh, ce, ce qui pourrait euh, se, se rapprocher des, des, des Mickey Spillane, euh, de... Tu sais, des années 70 où on joue ouais. avec ses, cette double casquette à la fois de violence et de, de comédie. Mm -hmm. Donc, c'était une façon, pour moi d'abord, de me détacher des films précédents qui étaient très expérimentaux, et puis d'aborder mm -hmm. un film de genre, euh, mm -hmm. puisque c'était une commande, et puis de voir comment j'allais m'approprier cette chose pour mettre des choses personnelles à l'intérieur et non pas l'inverse. Mm -hmm. C'est toujours la problématique des films qu'on porte avec no nos propres exigence, nos propres traumas, où il faut en retirer le maximum pour mmh. que ce soit pas trop gonflé. Euh, euh, alors que la, la commande qui, qui vous excite et qui stimule quelque chose permet de d'injecter avec à part mmh. dose homéopathique des choses plus personnelles et, et de voilà de discerner à l'intérieur ce qui mmh. peut rendre le, le film euh, un peu singulier, en mmh. fait. After you made that trilogy about detectives, you adapted a novel by another writer, Jean-Christophe Granger, *The Stone Council*. Can you talk about adapting another writer's work? I think it's the first time that I accepted a film adapted from, the script of *The Pulp* was. un scénario original on s'inspirait d'une bible oui. des personnages mais c'était un scénario original là c'était la première adaptation euh, qu'on me proposait et euh, c'est un, un scénariste qui a travaillé en, en collaboration avec moi mais c'est lui qui a vraiment écrit le scénario donc j'avais une vision très euh, avec une certaine distance en fait sur le sur le texte et les, les motivations euh, pour moi qui m'ont qui m'ont dirigé vers ce projet elles sont multiples Mmh. Je crois que l'acceptation de ce projet était aussi liée à cette femme-là, le film que j'avais fait juste avant, qui était un, un, un film très, très sombre, où une mère avait perdu son enfant. Mmh. Et je crois que celui-ci, c'est la face opposée de la même médaille. C'est une mère qui va sauver son enfant, si on, on simplifie, si on schématise. Et que c'est vraiment un, un film beaucoup plus léger. C'est pres, presque un film... De genre fantastique pour les enfants ou pour les, les, les adolescents. Mmh. Euh, et qui est très déréalisé aussi, mmh. puisque le film est, est tourné en Mongolie avec mmh. des actrices qui appartiennent aussi à la mythologie du cinéma, que ce soit dans le principe de, de beauté comme ça idéalisé, qui est Monica Biucci ou de Catherine Deneuve. Il y a quelque chose de très. d'un peu féerique, mais. d'un hum, peu, peu sombre aussi. Euh, donc, Parfois, les films se, dans mon cas, se répondent ou se s'opposent pour passer à quelque chose d'autre ensuite. C'est très mm -hmm. particulier. Je... Et les motivations qui sont celles du moment où on accepte un projet comme ça qui vient de l'extérieur, elles, elles arrivent à un instant T, c'est-à-dire que un an plus tard, on ne les accepterait pas forcément. Ce sont des choses comme ça très, qui, qui sont très liées aussi à ce qu'on vit. Euh, dans notre, euh, dans notre vie personnelle, je crois que c'est. Mmh. Et les projets de cinéma ont toujours euh, résonné avec ce que je vivais, en fait. Mmh. J'ai beaucoup de mal à, à ne pas mélanger les deux. Mmh. Les interactions, elles sont. Mmh. Et curieusement, même avec un film comme celui-ci, parce qu'il y avait la période de préparation, et puis l'éloignement, aller tourner dans un pays euh, mmh. aussi loin assez longtemps, c'est. C'est aussi assez expérimental d'une certaine façon, mm -hmm. même si le film ne l'est pas, <laughs> même si on pourrait penser que c'est aussi une espèce d'anti-film, mm -hmm. parce qu'il ne répond pas à, à ce qu'on pourrait attendre d'une adaptation d'un roman de, de Granger, mm -hmm. qui fait référence aux rivières pourpres. Mm -hmm. euh, et là, on a quelque chose qui est, très, qui est un peu particulier malgré tout. Nous pouvons juste passer à parler de la religieuse, la nun. Et d'abord, qu'est-ce que c'était? Adapting that novel, the Dereau novel, to the cinema that interested you? Euh, la religieuse, c'est assez particulier parce que ça, ça a fait partie des, des adaptations rêvées un peu quand je, je me suis dit que j'allais essayer d'être réalisateur. Et j'ai dû découvrir le, le, le court roman euh, quand j'avais 16 ans, peut-être. Et, et je me suis dit, tiens, un jour, peut-être. Euh, et j'ai relu régulièrement et je, j pas très, euh, je n'arrivais pas à, à être complètement en accord avec la vision que la plupart des gens avaient du, fi, du film de Rivette et mmh. puis de, de, de cette obligation de, de trouver que le texte était un, un, un pamphlet anticlérical et mmh. moi j'y voyais autre chose. Et c'est arrivé à un moment donné où j'avais euh, euh, découvert des choses qui se passaient en pas très loin d'ici, de la France. Et je voyais dans, dans la religieuse. Un, je trouvais qu'il y, y avait matière à déplacer légèrement le texte pour en faire un, plutôt quelque chose qui était contre l'hégémonie masculine ou, les, mm -hmm. ou le, le régime patriarcal. Et c'est sous cet angle-là que, que j'ai voulu adapter mm -hmm. la religieuse. Et d'ailleurs, c'est curieux parce que. Il y a, je crois, dans mon souvenir, un ou deux. Euh, journalistes qui m'ont reproché d'avoir détourné l'œuvre euh, des, des je pense des puristes qui pensaient que c'était une vision très unilatérale d'adapter mmh. Diderot et que parce qu'il avait écrit à cette époque-là c'était forcément mais je crois que la dimension de la notion de liberté pour lui était plus forte que le principe anticlérical puisqu'il avait été lui-même mmh. euh, pendant longtemps mmh. religieux mais euh, moi c'est cette c'est cette vision-là qui me semblait très forte et, mmh. et intéressante c'est de d'aller vers quelque chose de plus universel et peut-être de plus, peut plus actuel euh, concernant la condition féminine euh, à l'époque, mais qui avait des résonances ici euh, parce qu'on était aussi à un moment donné où les choses commençaient à, à prendre une couleur un peu différente. Let's go on to the kidnapping of Michelle Weldbeck. Um, what was your original inspiration? Were you already uh, friendly with Weldbeck when you made the film? How did the idea arise? Alors, euh, j'avais proposé euh, de Michel de, à Michel de jouer pour la première fois dans, dans L'affaire Gorgi, un mmh. film que j'avais fait pour Canal ⁇ Et c'est à ce moment-là que nous sommes devenus amis et que je lui ai proposé euh, de faire un film qui serait entre le documentaire et la fiction, en tout cas de jouer avec ce rapport très trouble parce que ça faisait écho à une phrase de Christian Metz qui disait que tout documentaire est une fiction. Ouais. Et que du coup, euh, il me semblait intéressant d'utiliser la fiction comme un alibi pour permettre à Michel d'être beaucoup plus libre mm -hmm. dans ce qu'il allait livrer de lui-même, et de le faire d'une façon presque euh, très inconsciente, puisqu'il n'avait plus l'obligation de, de contrôler. Mm -hmm la façon dont les gens allaient le percevoir, mais que le costume du, du Michel Welbeck enlevé par des ravisseurs lui permettait de faire tout ce qu'il voulait à l'intérieur du film, oui. même si on avait une ossature précise des événements, mais de trouver à l'intérieur toutes les possibilités qu'allaient nous permettre euh, de, de proposer au spectateur une vision beaucoup plus euh, secrète et inattendue de Michel. Mmh. À la fois dans des moments où il peut se mettre en colère, ou dans des moments où il peut être ému, ou dans des moments où il peut être très désabusé, et, et surtout pas dans la posture d'un écrivain reconnu à qui on pose des questions, et qui est obligé de jouer un rôle et d'avoir une posture particulière. Mmh. Et c'est ce qu'on essaie de reproduire mmh. euh, dans, ces, dans ce cycle de films, mmh. dans lequel je peux mettre aussi The End mmh. avec euh, Gérard. Yeah. I've heard that uh, Michel Webeck is a great cinephile, that he really loves cinema and knows it well. Um, do you think there have been, why have there not been sort of better, or could you say, adaptations of the novels of Michel Webeck? The ones that I've seen are, are not very successful. It's compliqué to refuser un réalisateur d'aimer votre roman. parce qu'il euh, faut, il faut pouvoir se détacher de ce... Ouais. C'est un, une personne qui aime votre roman pour des raisons qui ne sont pas les vôtres, qui, qui projette des choses qui lui sont très intimes. C'est l'avantage du roman, c'est de, de, vraiment la, la grande différence, c'est que le roman est, est beaucoup plus libre que le cinéma. Au cinéma, on vous impose des images, dans le, quand on lit, on les fabrique nous-mêmes, donc quelqu'un qui aime votre roman, il faut pouvoir s'en détacher et, et être... Euh, et je regrette d'avoir refusé à un réalisateur à un moment donné d'adapter un de mes romans parce que mmh. c'était absurde. Je pensais que j'allais, je, je devais choisir et valider, alors que non, et que c'est une surprise en fait finalement. Mmh. Et vous savez bien, enfin tu sais bien que l'appréciation d'un film est totalement subjectif et que surtout quand on aime l'œuvre d'un écrivain, c'est compliqué mmh. ensuite de d'accepter la vision d'un autre, mm -hmm. c'est particulier. Mm -hmm. euh, moi, je t'avoue que je n'ai pas vu les, les adaptations des... Ah. Je n'ai vu que sa propre adaptation, ah lorsqu'il oui, a oui, filmé oui. lui-même euh, son euh, film. Ouais. Euh, et d'ailleurs, j'ai trouvé très, très injuste l'espèce le, de, de, de charge où, les, où beaucoup, de, beaucoup de, de journalistes, sont de critiques, ont, ont dit beaucoup de mal du film. J'ai trouvé ça très injuste. Euh, ouais. Il est quelqu'un que les gens aiment d'attaquer. Oui, et puis surtout, on aime beaucoup en France que les gens restent dans leur propre domaine d'activité. Ah. que C'est oui. très compliqué pour un, un écrivain d'un seul coup de... Je, même Romain Gary a eu cette même difficulté. Enfin, beaucoup d'écrivains qui sont passés à la réalisation ont oui, eu cette... Euh, c est, c est, je pense que c'est compliqué. Mm -hmm. C'est compliqué alors que le film a beaucoup de, de qualités très singulières. Mm -hmm. Next, I want to go to Valley of Love, and again to talk about the inspiration for the film. And did you write the film thinking that you would ask Gerard Depardieu and Isabelle Huppert to be in the film? Le, le film est né de plusieurs. Euh... En fait, euh, après avoir fait la religieuse avec Isabelle Huppert, on a eu très envie de de trouver un projet pour retourner ensemble. Mm -hmm. Bon, et je ne n'avais pas de d'idées. Euh... Ça va, tu es. Oui, oui, nous sommes. Et tu je n'avais pas d'idée. Oui, Excuse-moi. Euh... Non, non, mais. Et j'avais pas d'idée euh... immédiate, tu vois. Oui. Et puis j'ai fait un voyage aux États-Unis où euh, il s'est pas... produit quelque chose oui. à un moment donné. Pas... Voilà, j'ai eu une... une vision dans un canyon. Il faisait très chaud, donc je pense que j'ai eu une hallucination, quelque chose comme ça. Mon cerveau a fabriqué une image. Et cette image, c'était celle de mon père qui était décédé. Donc j'ai vu physiquement mon père dans ce canyon et je suis rentré des états unis et j'ai écrit ce film mais j'ai écrit ce film pour Isabelle Huppert et pour un, une figure pareille mythologique du cinéma pour moi qui était celle de Ryan O'Neill ah. donc le film était écrit en anglais pour ces deux acteurs le film devait être interprété par Ryan O'Neill et, et il se trouve que Ryan O'Neill a eu des, des soucis mmh. et, que, et que plutôt d'abandonner le film je me suis dit que il y avait une autre possibilité c'était de le faire en français avec peut-être l'unique personne dans laquelle je pouvais me projeter ce personnage, qui était Gérard. Donc très vite, euh, j'ai rencontré Gérard, et puis je lui ai parlé du projet, et j'ai réadapté l'écriture en fonction de ce que je fantasmais de Gérard. Et, et ensuite, le film s'est fait de cette façon, et d'une façon très troublante, parce qu'à parce qu la fois, je, il s'est produit une, une rencontre très forte avec lui qui nous a permis de faire quatre films en cinq ans ce qui était quand même très très puissant et puis on, on, de s'amuser aussi de se moi je voyais beaucoup de choses de mon père dans dans Gérard et puis et puis le l'emmerdement c'est que je me prénommais aussi Guillaume et qui était le prénom de son fils donc euh, ça créait une espèce de trouble mais très très tendre et euh, est très stimulant aussi pour l'aventure du film, mmh. puisque là aussi, les personnages jouent leur propre rôle. Mmh. C'est Isabelle Huppert et Gérard Depardieu qui se retrouvent après plusieurs années. Euh, et le, le film a aussi cette, euh, cette particularité c'est qu'il il utilise la même thématique, qui est une thématique finalement euh, euh, très récurrente et qui qui est celle de, de, plus, de plus de la moitié de mes films, c'est-à-dire mm -hmm. la perte d'un enfant. Euh, donc euh, celui que je tourne actuellement est à nouveau euh, ah, le euh, même thème. Le même thème. Mm -hmm. euh, c'est pas quelque chose qui est choisi, c'est quelque chose qui. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est toujours très très curieux de d'être choisi par les histoires, d'attendre en tout cas que les histoires nous mm -hmm. nous, nous, nous impose la chose plutôt mm -hmm. que de décider au départ. Et c'est ce qui s'est passé avec Valéoflov. C'est des, ce sont des, des pulsions d'écriture et puis ensuite euh, des adaptations multiples, mm -hmm. comme celle de Ryan Johnson qui ne peut plus, puis de Gérard et puis cette rencontre avec Gérard qui nous, où on reproduit un petit peu la même chose qu'avec Isabelle Huppert, c'est-à-dire on, on a envie de retourner très vite ensemble après et c'est comme ça que The End arrive i have the impression, perhaps it's naive, that they work very differently, that huppert is extraordinarily focused, whereas gerard is much more instinctive. oui, on pourrait dire que c'est deux méthodes euh, <laughs> opposées de celles d'isabelle, qui, qui travaille beaucoup, qui, qui a besoin de se nourrir énormément du, du texte. <coughs> pardon. Et en plus, avec euh, Valley of Love, on a installé un, un rapport particulier avec Gérard parce que je lui ai demandé de jouer euh, avec une oreillette dans l'oreille et que, que c'est une souffleuse qui souffle le texte à, Mich à, à Gérard, en fait, au, tout le long du, du tournage, ce qu'on a reproduit pour nos quatre films. C'est-à-dire mmh. que Gérard joue avec une oreillette mmh. et je lui ai demandé le plus possible au fil des films de même plus lire les répliques pour qu'il puisse les dire en les découvrant quand il les entend ce qui est très particulier comme, euh, comme style. Et donc c'est en effet deux, deux approches qui s'opposent totalement, puisqu'on a, on a Isabelle qui, elle, veut maîtriser pour être le plus juste possible par rapport à ce qu'elle imagine, mmh. et d'un autre côté, Gérard qui, lui, est dans l'instant. Mmh. C'est-à-dire, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'est pour cette raison qu'on connaît... Tout le monde connaît des anecdotes où Gérard peut, peut faire l'imbécile juste avant de tourner et deux secondes après être totalement connecté à ce qui se passe parce que il a cette capacité d'être avec toi à 100% au moment où les choses se produisent. Mmh. C'est pour ça que ça rend euh, Gérard extrêmement euh, attachant mmh. et que c'est un, un véritable vampire émotionnel parce que mmh. il, te, il te donne tellement au moment où tu es avec lui lorsqu'il est plus là, tu es en manque, tu es addict, tu es dans une forme d'addiction qui est, qui est très perverse mais en même temps extrêmement... Euh, c'est très jubilatoire parce que ça mm -hmm. t'apporte beaucoup de choses et, et cette rencontre avec Gérard a été un véritable tournant pour moi mm -hmm. parce que j'avais déjà réalisé pas mal de films avec des acteurs déjà très mm -hmm. hum, très aguerris, très mm -hmm. professionnels. Et lui a, a tout fait exploser. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs, c'est très curieux d'ailleurs parce que quand tu parles de, à des actrices américaines, d'une actrice française, elle te parle d'Isabelle Huppert, et quand tu parles à des acteurs américains de cette génération, ils te parlent tous, que ce soit de Niro, ou, Ketel, ah ouais. ou, ou Stallone, ils te parlent de Gérard. Mmh. Donc ces deux écoles-là, malgré tout, même elles, si elles sont opposées, se rejoignent dans l'écran. Mmh. Et dans l'écran, ce qui se passe, c'est que ça, ça, ça réussit à te, mmh. à te donner une émotion qui est très rare, mmh. puisque c'est ça aussi, c'est mmh. la façon dont l'acteur te conduit dans une histoire mmh. qui te permet de croire à, 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 à ce mensonge. Donc c'est ça le, le, la grande supercherie, c'est d'être mmh. que, que la, ce que tu ressens est vrai mais c'est provoqué par un mensonge mm -hmm. donc c'est c'est le grand paradoxe en fait ouais, euh, du et et c'est assez beau quand on quand on trouve des partenaires de qui te permettent d'inventer et de mettre en chair ce que tu as écrit mm -hmm. euh, quand l'aventure du film se poursuit en dehors du tournage c'est compliqué de revenir à la vie réelle après. Mm -hmm. Est-ce <laughs> Est qu'il y avait Was it said so that Was it in the film Were there any Sorry moments of improvisation in the film? Dans Valhalla, non, très peu. Je crois que qu'on a été très très fidèle, euh, sauf dans la partie euh, du canyon mm -hmm. où on a laissé. Euh, L'émotion, que ce soit celle de, de Gérard lorsqu'il revient, qu'il a vu son fils, ou celle d'Isabelle qui court pour aller oui. voir son fils. Oui. Là, les choses ont été plus, plus fragiles pour mmh. essayer de capter quelque chose qui leur échappait à tous les deux, en mmh. fait, qui était une émotion pas contrôlée et qu'on n'a pas cherché à à préciser pour essayer de tu vois que les ce sont on a dû faire je crois que j'ai fait je n'ai pas j'ai fait qu'une prise sur Gérard qui revient qui a vu son fils c'est la première fois que Gérard m'a demandé de se concentrer mmh. voilà il s'est isolé cinq minutes et puis mmh. on a tourné et je, on n'a pas refait de prise et et pour pour Isabelle eh ben ça a été plus compliqué mmh. parce que euh, à ce moment là c'est le seul moment où il fallait qu'Isabelle perde le contrôle et Gérard l'a beaucoup aidé pour mm -hmm. ça. C'est le moment où ils sont tous les deux où elle où elle hurle et où où, où il se passe quelque chose d'un peu particulier entre eux. Mm -hmm. Gérard claims that he has seen his son? Alors C est, c est, je crois que chaque spectateur euh, fantasme. Euh, Est-ce que les stigmates sont réellement provoqués par son fils qui lui a tenu les mains Est-ce que elle a vraiment eu les mains tenues Est-ce qu'elle est vraiment vivante à la fin Je crois qu'on m'a on m'a proposé énormément de, de versions euh, et j'ai toujours tendance à éviter de préciser euh, les mm -hmm. choses parce que en, en réalité. Euh, aujourd'hui je pourrais penser que c'est cette solution et puis demain selon mm -hmm. une humeur particulière j'aurais envie de croire à autre chose à l'idée qu'il a peut-être vu son fils et qu'il existe vraiment et donc c'est très variable j'ai pas de je, je crois que ce qui est le plus le plus intéressant c'est que chaque personne puisse élaborer mm -hmm. une résolution and from this film, which has a, a very fantastic side, you move on a few years later to what I think is your first full-length documentary, The uh, uh, Lords of Scam, uh, Les Rois de Aranac. Uh, can you talk a little bit about making that film? How did you get involved in that project? And what was it like to make a quote-unquote real documentary? Alors, um, de, ce documentaire, il intervient après quatre films. avec mmh. Gérard Depardieu, oui. et deux films avec Gaspard Hulliel, mmh. et la rencontre avec Gaspard Hulliel a aussi été assez déterminante pour moi, parce que si Gérard Depardieu était une forme de, de père de substitution de cinéma, euh, Gaspard est devenu un fils de cinéma aussi, c'est pour mmh. ça qu'on avait déjà deux autres films en, en prévision mmh. euh, avant sa mort, et euh, et du coup, ce sont des gens qui ont beaucoup participé à à, au, à, mon, à mes désirs d'écriture, de, de récit. Euh, et, et il se trouve que à la fin de de Talasso, le film qu'on a fait avec mm -hmm. Michel Welbeck et Gérard, on a décidé de faire un break avec Gérard. Même si j'avais le projet de faire un triptyque, le troisième film avec Michel, j'ai décidé. On a décidé de voilà d'attendre et et c'était pour moi très compliqué d'imaginer un film traditionnel après. Et lorsqu'on m'a proposé euh, Lord of Scam, j'ai tout de suite accepté parce que c'était à la fois loin de moi et il n'y avait pas d'acteur. Mmh. J'avais j'avais pas de référent. <laughs> euh, et il a fallu que je, que je fasse ce documentaire et encore après le film d'horreur dont on a parlé, mmh. avec des acteurs inconnus, des jeunes acteurs. Comme si il fallait que je, je, me, je me lave de, de tout ce que m'avait apporté à la fois Gérard mmh. et Gaspard. Et mmh. j'avais besoin de de cliner mmh. pour repartir ensuite. Et ce documentaire a, a été très, euh, très bien pour moi parce que j'ai essayé de mettre plein de cinéma dans le film, de, de les que chaque intervenant fasse partie d'une famille. Euh, un peu référencés de genre, euh, et comme ils avaient une personnalité très haute en couleur, ouais. <laughs> je trouve que ça permettait de les, de les inscrire dans, dans un format qui n'était pas celui de, de faire croire mm -hmm. aux spectateurs, en utilisant le terme documentaire, que ce que l'on voit est vrai. Non, ce que l'on voit n'est pas vrai. Mm -hmm. On fabrique quelque mm -hmm. chose et on essaie de faire comprendre une, une énorme arnaque européenne, mm -hmm. à un niveau européen. Donc il y a, y, a y a une analyse pour qu'on comprenne le procédé, mais il y a surtout des portraits et des familles qui sont dressés avec des conflits et des histoires euh, de bagarres mentales et physiques. Donc c'était ça aussi le challenge, c'est de, de proposer une, une version très, très scénarisée d'un documentaire pour ne pas tomber dans quelque chose de, de, à la fois de didactique et qui voudrait être la, la vérité absolue sujet. When you started the film, did you already have a good idea of what you thought happened, what really did go on, or did you discover that information during the course of shooting the film? Alors là, c'est l'exemple typique d'un film qui qui s'est construit pendant la préparation et pendant le tournage, parce que Netflix avait validé un un plan global qui n'a plus du tout été celui de la préparation, puisque un des, un des protagonistes qui devait sortir de prison est resté en prison, il était impossible d'avoir son témoignage, et qu'au fur et à mesure de la préparation du film, les gens qui avaient accepté de témoigner se sont désistés. Il a donc fallu trouver d'autres personnes. Alors ça a eu lieu pendant la préparation, mais aussi pendant le tournage. Donc le film s'est réinventé, à la fois pendant le tournage, et ensuite au montage, parce que, évidemment, comme au tournage, ça ne ressemblait plus à ce qui avait été prévu à l'écriture, le film s'est réinventé au montage aussi. Donc, ça, c'est vraiment le. Euh, ça a été une partie très, euh, très déstabilisante, parce qu'il a fallu reconstruire et réinventer un monde. Mmh. Il y avait cette obligation d'expliquer de, le mieux possible ce qu'était cet arnaque, le procédé, et puis ensuite de tisser des liens euh, affectifs avec tous ces gens et de trouver des intervenants qui accepteraient de parler ce qui était assez compliqué. You mentioned of course that the film was produced by Netflix and you actually have worked for television for many years really since just about the beginning of your career. Can you talk about the difference between working for television and working in cinema and what you see as the future with the platforms like Netflix? À la base, je ne fais pas de différence entre les projets euh de télévision quand j'ai travaillé pour Arte, que j'ai travaillé. Je travaille sur une histoire et puis je tourne un film et sa diffusion ensuite est un autre élément, mais je le tourne sans me soucier de de sa fenêtre de diffusion en fait. Je le tourne avec les mêmes personnes, je le tourne comme un film de cinéma, ma référence c'est de faire un film de cinéma. Et parfois sa première fenêtre de diffusion peut être ou la télévision ou maintenant les plateformes. Et là, les plateformes sont multiples puisque la plupart des, des consommateurs, parce qu'on appelle ça des consommateurs, les voient sur un tout petit écran. Mmh. Mais ce qui est paradoxal avec ce petit écran, c'est que en fait, ils le mettent tellement près de leurs yeux mmh. que le ratio entre leurs yeux et l'écran est parfois plus important que celui qui est au dernier rang dans une salle de cinéma, qui regarde. Mmh. Donc, je ne porte pas de, de jugement de valeur sur les capacités pour être ému dans un film que l'on dé... Je crois que tout ça, c'est quelque chose qui... Il y a une vraie frontière entre la magie qui s'opère quand on est dans une salle de cinéma et lorsqu'on découvre un film. On sait très bien qu'on peut être déçu en voyant un film de cinéma, trouver ça très mauvais et trouver quelque chose de formidable en regardant un, un tout petit écran. Donc ce n'est pas là-dessus que ça se juge. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la mutation, la... qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la fabrication d'un film. Et je ne je suis ni passéiste, je, suis, je ne suis pas pour la sanctuarisation de, des salles de cinéma. Je crois que ces phénomènes-là ont déjà eu lieu dans beaucoup de domaines, et même dans le cinéma. Euh, je ne dis pas que l'histoire se répète, mais elle rime. C'est-à-dire que l'arrivée de la télévision a mis en péril le cinéma. L'arrivée des vidéocassettes, le VHS a mis en péril le cinéma. L'arrivée des plateformes met en péril le cinéma, mais le cinéma... Est, il est vivant, et il mute, et il, mmh. il, est, il est en train de bouger, d'évoluer. Donc il faut prendre en compte ça. Et il faut accepter que les festivals intègrent dans leur programmation ces objets qui sont réalisés mmh. grâce à ces plateformes. Donc je n'ai pas, pas de problème avec. Mmh. Euh, je, beaucoup de mes films sont sur Amazon. Je suis très content qu'on puisse les découvrir sur Amazon. Et de fait d'avoir ce documentaire et cette série qui était pour Arte et Netflix, qui était la première collaboration entre Arte et Netflix. Mmh. Je suis très heureux aussi qu'elle soit sur Netflix parce que ça, ça permet aux gens mmh. de voilà de, de découvrir ces supports et ce serait ce serait impossible si on n'avait pas les plateformes mmh. qui nous permettent de faire ces films. Ouais. Et ça n'empêche pas une série comme celle qui est sur Netflix avec Gaspard mmh. d'être à Berlin dans la catégorie des sélections pour les séries mmh. et de voir l'objet en grand écran. C'est possible aussi. Ouais les deux sont compatibles. Bon, thank you so much for this wonderful conversation and your thoughts on what's going on with the platforms and about all your films. I hope I look forward to seeing the horror film very much in the near future. And thank you very much for merci. watching this episode of Conversations on French Cinema. Thank merci, you. Richard. Merci.